Bonjour et bienvenue les collecteurs. Je vous présente aujourd'hui la récolte que j'ai faite sur Paris. Alors vous allez voir les pièces que j'ai trouvées. Alors, son nombre de 5, mais 5 pièces magnifiques. Bon, j'en ai profité, vous avez bien vu, pour acheter une petite tour Eiffel. Alors la première de ces pièces. J'ai trouvé, regardez, une superbe pièce de 2 euros Monaco 2021. Bon, c'est une pièce courante, mais c'est une pièce quand même qui a de la valeur. Donc je la présente de suite. J'ai trouvé aussi, regardez, ces petits porte-clés. Trop beau. Alors, j'ai trouvé aussi, c'est des pièces rendues en monnaie, hein, je le rappelle. Une pièce française Charles de Gaulle de super qualité, hein, vous voyez. Hein. Donc c'est 2020 France. Après, j'ai trouvé aussi, vous allez voir ça, une superbe pièce de Lituanie de 2018. Alors je me rappelle plus, c'est laquelle des trois symboles, le blason de la Lituanie. Vous voyez, il y a trois symboles en haut. Je crois que c'est celui de gauche, mais je suis pas sûr, enfin certain à 100%. Après, j'ai trouvé aussi une superbe pièce allemande de 2007. 2007D, Allemagne. C'était une pièce commune à tous les pays de l'Europe. Et la dernière pièce, elle est là. Je cherchais où elle était. Une pièce, regardez, magnifique. Une pièce grecque de 2019. C'est laquelle vous préférez? Je voulais rentrer deux peu plus loin. Bon, moi je vais vous donner mon avis. Je vais dire la grecque. Allez, malgré que ça soit juste un portrait, la grecque. Et la gagnante, bien entendu, c'est la Tour Eiffel qui est magnifique. Je suis monté pour information jusqu'à cet étage-là. Un peu trop de monde, mais c'était un séjour très agréable avec une petite récolte bien sympathique. J'espère, les amis, que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, partager et commenter. Je vous dis à bientôt sur Money Collector et je vous souhaite une très bonne journée.